Oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh, je veux 4500 000 likes là. Pouhouhou. Ah les gars, aujourd'hui c'est l'heure de dire adieu à la Secret Zone. Ah bah oui, pour ceux qui sauraient pas encore, la Secret Zone, tu pourras plus la jouer en classé maintenant. Pourquoi? J'en sais rien moi. Tout ce que je sais les gars, c'est que c'est la dernière fois que je vais jouer en classé en Secret Zone en vidéo. Et l'otage, ça sera la même chose, on pourra plus jouer en classé dessus. Dès que l'opération Phantom Sight va sortir, eh bien en gros on pourra jouer que en bombe en classé. Et dans un sens, c'est pas non plus plus mal. Essayer de faire un petit spawn kill. Et parler en même temps, c'est pas non plus super facile. Ok, ça on en a au moins un, c'est déjà bien. Et indirectement, quand tu vas jouer en bombe, tu vas devenir plus fort. Moi, personnellement, à titre personnel, quand je jouais en sécu, j'étais beaucoup moins fort que là. Alors, je dis pas que je suis fort, hein, loin de là. Mais on va dire que... ok. On va dire que quand tu joues en bombe, ça t'apprend plus de choses que quand t'es en sécu ou en otage. Ok. Je sais pas s'il passe pas par là-bas. Ouais, s'il me semblait bien. Oh, Kavera, arrête de me coller au cul, s'il te plaît. Ah ouais, mais c'est vrai que ça... Ah, que ça sécurise! J'avais oublié ça maintenant, tu vois? J'ai plus le réflexe, sale pute. Donc voilà, profitez bien de ce dernier gameplay où je suis en train de jouer en sécu. Un petit sécu, c'est là où j'ai eu le premier diamant. Je t'aime. Mais il y a un truc, moi, que je me pose comme question par rapport à ce nouveau changement. C'est comme maintenant, il va y avoir un seul mode de jeu, vous êtes d'accord jusque-là? Quand vous allez faire de la solo queue, c'est-à-dire de jouer en solo, eh ben en gros, je pense que ça peut créer des déséquilibres en fait. Parce que, admettons, je sais pas, t'es classé P3 et tu vas lancer en solo. Et tu vas tomber logiquement avec des aura 1 platine 3. Mais admettons que dans ces aura 1 platine 3, tu tombes avec d'anciens joueurs, par exemple, qui étaient habitués tout le temps à jouer en otage et ils vont se retrouver en bombe. Au départ, je pense que ça peut être la mouise pour eux. Au départ, vous allez vous faire rouler dessus, c'est sûr. Mais je pense qu'au niveau des grades, etc., ça peut créer un petit peu des déséquilibres. Alors, je sais pas si ça va être seulement au début, seulement dans les premiers mois, je pense. Il y a potentiellement pas de rumeurs, ou de roumains, je sais pas comment on dit. On s'en bat les couilles. Alors attention, on va commencer à s'insérer doucement. Ça c'est un kill gratuit. On a Sledge, ok. Bah Sledge est fait baiser. 3v2, bien ouais, j'y reste Lésion Echo. J'ai jamais compris le fait de jouer Echo en CQ, ça sert à quoi? Ça sert à rien, regarde. Bah quand même, tu vois, moi ça me fait un petit pincement au cœur hein, quand même de voir l'otage et la sécu disparaître de la classée, ça fait bizarre. Et il est vrai aussi que ça va faire chier beaucoup de personnes parce qu'il y en a qui veulent jouer en classée sans se prendre la tête, jouer dans le mode de jeu qu'ils veulent. Et bien maintenant ça sera plus possible et je sais très bien que vous allez vous en plaindre, etc. Je vous comprends, hein, je ne vous blâme pas parce que je suis un peu dans le même cas que vous parce que moi je trouve que c'est dommage d'enlever la possibilité à certaines personnes de jouer dans le mode de jeu auquel il a envie, tu vois. Mais bon, c'est un choix d'Ubisoft qui restera pour vous, on va dire, vous contenter la casual, même si c'est vraiment de la merde, on va pas se le cacher. Ça fait 40 ans que je joue à Rainbow, 40 ans que je sais même pas où il faut spawn kill, les gars. Ah bah ouais, c'est effectivement ici, il va y avoir un kill gratuit normalement. Ouais, même si j'ai un shoot de Sgeg. Kavera, visiblement, qui aime bien mon trou de balle, qui me colle au cul. Je crois qu'il y a un gars là, j'entends son mouvement corporel. Ah oui, il y a Jackal, effectivement. Oh merde. Ah ça, c'est cul, otage, bombe. Jackal, tu le vois tout le temps, hein. Ah ouais, mais t'es pas très fut-fut, mon pote, hein. Oh, il y en a encore H. Ah ouais, merde. Je suis vraiment un zboob. Elle a le canon en l'air, elle est en train de viser les pigeons, elle me tue. Eh ouais, les gars, c'est le risque du métier, hein. Je viens de me lever, limite. Je suis en train de lancer une classée, je suis en train de faire un commentaire. Ouais, dans cette vidéo, les gars, il y aura pas tellement de montage. On est là un petit peu en blablate ensemble, tu vois, on discute. Bah sinon, j'espère pour vous que vos périodes d'examen, ça se passe plutôt bien, brevet, bac, parce que je sais que c'est la période en ce moment. Ouais, puis si vous travaillez, bah j'espère aussi que ça se passe bien pour vous. On va pusher, on va essayer. Je rush comme un sgeg, je sais même pas, j'ai pas de roné, je m'en bats les couilles. Allez, Echo, ça dégage. Mira, ça dégage aussi. Et c'est là que tu vois la différence avec la bombe, le mur que je suis en train de renforcer là, jamais faut le faire. Pareil pour cela, parce que c'est la rotation là, mais en bombe tu fais ça, t'as perdu. Je suis à un point, enfin une manche, de ne plus jouer en sécurisation de zone. Mais bon, y'a pire hein, dans la vie hein. Oh, on va pas se laisser aller parce qu'ils enlèvent un mode de jeu, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est pas grave. Enfin, faut voir le bon côté des choses quoi, enfin, faut essayer de positiver un petit peu. R6 c'est un jeu vidéo hein, faut pas dramatiser non plus hein. Ah, des fois j'aurais pu être philosophe les gars, je vous le dis moi. J'aurais été un super philosophe, moi, je vous le dis. Pacifique. Pacifiste, je sais pas comment on dit. Non, pacifique, c'est l'océan, je crois. Par contre, je partirais tellement en couilles, moi. En fait, c'est simple. Tu me casses les couilles, je te monte en l'air. Je suis capable du pire, les gars. Mais vous savez quoi? C'est dans le pire que je suis le meilleur. Ouais, je suis vachement meilleur. Ah, j'ai vu tes pieds. Tes petits pieds. Oh, je vois tes pieds. Et toi, tu vois quoi? Tu vois ma chatte, je suis sûr.
Bon, mes amis, j'ai envie de jouer, moi, oh. C'est pas que je vous aime pas, mais voilà, quoi. Ah ouais, 4 minutes, oh, c'est beaucoup. Allez, on relance. Nique sa mère, l'otage, va te faire enculer. Bah voilà, c'est ça que je veux, moi. Est-ce que c'est une bonne map? Oh putain, oui, je t'aime. En vrai, pour ceux qui se souviennent, avant, en sécu, je jouais beaucoup quand je jouais avec Jayce. Je sais pas si vous en souvenez. C'est vrai qu'à cette période, ben, on jouait beaucoup en sécu. Et bien évidemment, il y aura personne. Moi, je dois avoir une moule, elle doit avoisiner les zéros, mais vraiment. Et oup la boum! Qu'est-ce que tu faisais, le pigeon d'argile? Ah! Oh bah ok, pourquoi pas? Il est au-dessus de moi. Ah! Quoi? Mais quoi? Mais t'es pas mort? Homer! Ah, vas-y mon ref, faut arrêter là. Mais regarde, il me tire dans les pieds! Ah, tu l'as vu, tire, tu l'as vu, mais tire! Mais non, mais dans ses pieds, pas à côté! Oh, il y avait un copain là. Copain? Copain? Là, faut arrêter, c'est pas une tête là que je mets. Oh. Mais regarde où il tire lui. On dirait que je suis en train d'errer tel un loup sauvage. Oh, quel nul je suis. Non, en fait ça va. Oui, je suis en train de chanter, oui, Game of Thrones. Ça y est, je suis en train de partir en couille, non. Bandit's coming. Ah, monsieur Buck. Monsieur Buck, il est mort. Ça passe, mon ami, ça passe. Ah, 3-0, c'est ouais, c'est plutôt violent. Putain, mon pote, regarde la tête de Twitch. Elle a un mono-sourcil. Ses sourcils, c'est une autoroute. Moi, je rush comme un mongolien. Aïe. Oh, mais j'en ai marre. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Les gens ont besoin de pièges pour être performants, c'est incroyable. Non, mais il y a un capcan au bac, là. Tout le monde est mort. Regarde, il y a que des croix par terre, là. Ah, sa mère. Tiens, le bourreau, là. Mais qu'est-ce que tu fous, là? C'est ce qu'on appelle le karma. Moi, les gars, je me prends toujours le karma, vous le saurez. Le karma dans la gueule, ça fait mal, des fois. Je me suis mis à T-bag. Et ploup, je me suis fait un pop outé. Ah, dis-moi qu'il y en a au moins un qui vient, là. Ok, moins un. C'est rentré à ma droite, je crois. Oh, elle a bugué, je crois. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.